Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui on continue les vidéos sur ma box, donc comme je vous l'ai proposé en live, je vais vous proposer la présentation de ma box en plusieurs vidéos, en prenant chaque type pour chaque vidéo. Et je ferai une vidéo également sur les catégories, donc il y aura 6 vidéos en tout, parce que je trouve que faire tout d'un coup, c'est long et un peu barbant, alors que là, je peux prendre le temps de vous montrer tout ce que j'ai, mes doublons, les alternatives aussi que vous pouvez utiliser vous dans vos teams. Et ça me paraît plus intéressant. Bon, a priori, ça vous a plu pour la première vidéo. Je vous mettrai le bouton i en droite, la première, qui était sur le type intelligence. Donc, sur ce, on enchaîne directement avec le type agilité. Et on commence avec ma team super agi, qui est, sur le papier, fait plaisir à voir. Hein, 4 cartes à 100%. Donc, je l'ajoute de cette façon, avec une petite variante que je vais vous montrer après. Donc, on commence le Vegeta SJ4, évidemment. Donc, le Neo God Tier, qui est pour moi le tout meilleur Neo God Tier, même si évidemment ça se joue pas à grand chose, mais pareil, je vous mettrai le bouton I en droite, le classement des Neo God Tier, enfin mon top des Neo God Tier. Donc attaque et def plus 120%, vous connaissez les bails, il est très très bon. Change point d'esquive des attaques SP, bon ça esquive pas souvent, mais bon voilà, on va pas cracher dessus. Les liens, rien à redire, c'est parfait. Ensuite, on a la pan Neo Support qui est SP5, voilà, je la monte avec les différentes pans SR. Les néo supports quand même sont très très importants dans les teams Neo God Tier, surtout dans les teams extrêmes hein, finalement. Mais bon, voilà, si tu drops un néo support super, bon, joue-le. Mais ça a moins d'impact. Il y a plein d'alternatives en super. Vous allez voir, en super JT, il y a plein d'alternatives en termes de support, alors qu'en extrême, c'est un peu la galère. Donc qui plus 3, attaquer plus 40%, c'est énorme. De très bons liens dans cette team hein, et, vitesse époustouflante notamment, hein, ça marche très bien. Donc très très bien cette pan au support. Ensuite on a le Goku SCJ3 ZTUR, une carte que j'aime depuis toujours, que je défendais même avant qu'elle ait un ZTUR. Il est monstrueux, hein, voilà, avec son ZTUR, il passe en dégâts immenses. Il a un boost de défense de 70% avec des stats à 100%, sachant qu'il a un arbre de rang S. Il a une défense qui avoisine les 100 000, il est impressionnant. Le seul problème c'est les liens, voilà, que combat décisif. Et guerrier doré quand même, il faut le noter. Mais bon voilà, il est quand même monstrueux. Le Goku Blue, qui est un très gros cogneur, attaque plus 100% lors d'une spé. Il est un peu meilleur que le Jubai dans le sens où il fait plus de dégâts et on perd pas de PV quand on part en spé. Maintenant, le Jubai est plus intéressant en termes de lien, c'est vrai. Mais le Blue est quand même globalement meilleur pour moi. Surtout que je l'ai à 100% alors que le Jubai, je ne l'ai pas à 100%. Au niveau des liens, bah, c'est quand même pas mal et heureusement il a part au combat évidemment. Alors qu'avant dans sa version SSR, il l'avait pas, hein, faut le noter. Donc très très bon. On a ensuite la Caulifla 100% qui aura un éveil bientôt disponible, hein, qui est sorti sur la Jap. Maintenant, est-ce qu'on va devoir attendre 5 mois pour l'avoir sur la globale? C'est une bonne question. Donc elle est très intéressante, elle esquive plus ou moins bien quand même. Et puis une fois qu'elle aura son éveil, elle sera encore plus intéressante. Mais pour l'instant, vous allez voir que j'ai une variante. SV Agilité, voilà, il est magnifique. Mon premier personnage à 100%, mon tout premier God Tier. Il est très puissant, il augmente l'attaque Zélé quand il est en première position. Réduit les dégâts de 80% des attaques normales et contre-attaque. Les liens parfaits, il n'y a rien à redire. Contrairement à l'endurance qui perd vitesse époustouflante et c'est vraiment gênant. Lui, il est vraiment nickel. Donc rien à dire là-dessus. Alors en termes d'alternative, par rapport à moi, ce que je joue au quotidien, juste je retire Caulifla et je mets notre ami Vegeta Blue. Qui évidemment, comme je l'ai montré dans ma vidéo, je vous mettrai un bouton i à droite. Les meilleurs duos, voilà, une nouvelle série de vidéos. Il est très très bon hein, ce Vegeta Blue. Voilà, SP10. Attaque et def plus 80%, à côté du Goku Blue, ils ont 5 ou 6 liens qui proc. Voilà, 50% de boost d'attaque de mémoire, c'est n'importe quoi. Et puis qui plus est que part au combat, donc c'est tout bon. Donc ça marche très très bien aussi comme ça. Alors en termes d'alternatives, du coup, pour vos teams, pourquoi pas. Alors, on va retirer un perso pour que ce soit plus clair. On va retirer le Goku. Alors évidemment, on a Jubai, évidemment. J'ai pas dit qu'il était mauvais. J'ai juste dit que Goku Blue, pour moi, est meilleur. Mais ce Jubai est quand même très bon, dégâts immenses. Pendant 10 tours, il a attaque plus 20 000, défense plus 10 000. Voilà, c'est le problème. Hein. À l'époque, les points fixes, ça allait parce qu'on avait des leaders raisonnables. Attaque plus 70, enfin un boost de 70%. Maintenant, avec des leaders à 170%, même à 120, autant vous dire que ça ne suit plus, forcément. Donc du coup, bah, c'est dommage. En fait, pour les gens qui auraient du mal à comprendre les points fixes et pourcentages, c'est tout simple, les gars. Regardez, vous avez une valeur attaque à 10 000. Si on a, au début, on avait, je vais faire plus simple, on a 100% de boost au niveau des leaders.
Si tu as 100% debout, c'est-à-dire que tu doubles l'attaque. Donc tu passes à 20 000. Ok, les leaders, c'est bon. Imagine, tu as un leader 50-50, ça fait 100. Tu as 20 000. Tu rajoutes 20 000 de points fixes, ça fait 40 000. Tu es d'accord avec moi? Ok, donc là, on reprend le même exemple. Je suis à 10 000. Mon leader, c'est toujours pareil, 100%. Donc ça fait 20 000. Et si j'ai 100% de boost d'attaque à la place des 20 000, 100% de 20 000, c'est encore une fois 20 000. Donc là, ça fait 40 000. Donc là, dans mon exemple, je te montre que si on a un leader à 50%, qu'on ait 20 000 ou 100%, ça revient au même. Par contre, si on prend un leader à, on va dire, 100% et 100%, ça fait 200. Donc on fait x4. Je dis pas de conneries. Attendez, 10 000 de 100%. Bon, bref, peu importe. L'idée, c'est que tu obtiens une valeur d'attaque, toi, tu vas toujours rajouter 20 000. Alors que si tu es en pourcentage, bah, si de base, plus tu as un gros chiffre de base, plus quand tu ajoutes le pourcentage, c'est plus élevé. Bon, de toute façon, c'est assez simple à comprendre. C'est pourcentage de quelque chose. Si ce quelque chose est de plus en plus élevé, bah forcément, le pourcentage du truc le plus élevé va être encore plus élevé. Si tu rajoutes des points fixes, quelle que soit ta valeur de base, tu rajoutes un montant en points fixes. Bon, bref, j'espère que vous avez compris. Je pense que c'est assez clair de toute façon, hein, c'est du pourcentage. Donc voilà, le Juba, il reste quand même très bon. Hein. C'est un distributeur de ki, donc ça fait plaisir. Ensuite, on a le Vegeta Bulma qui est pas dégueu, dégâts colossaux. Attaque et def plus 50% et ki plus 3. S'il y a un seul ennemi et il contre les attaques normales, donc c'est pas mal. Pas au combat, par contre, il a pas Super Saiyan, c'est étonnant. Le bout, il est correct, mais... Enfin, le bout ici, il est correct, mais bon, pas de spé farmable. Lama est correct, elle peut stun à 50%. C'est un support, mais c'est pas ouf, elle donne des points fixes. Le Goku Genkidama, correct, mais à 100%, il serait ouf. Mais là comme ça, c'est pas ouf ici, mais la carte est très belle. Mais il est correct, hein, tout à fait correct. Le Vegeta, c'est un très très bon support. Il donne ki plus 2 attaque def plus 25%, donc une alternative au néo support, très très bon. Le Gotenks, agilité très très bon, nuqueur, dégâts colossaux, attaque plus 15%, pas de restriction de couleur de ki. D'excellents liens, part au combat, guerrier fusionné, combat charné, très très bon, spé farmable. Le Thales, un changeur de ki, correct, lui pas intéressant. Le Xenotrunks, spé non farmable, donc c'est pas très intéressant. Le Godku, une fois qu'il aura son éveil, il sera ouf, mais spé semi-farmable avec le Goku SR Endurance. Bon, après, d'ici les 3 ans, on aura une pelletée de Daikai, donc vous en faites pas. Le Gohan Agi qui est correct, je vais l'éveiller prochainement. Une fois éveillé, il a attaque plus 90% lors d'une spé, donc c'est correct. Bon, après, il a pas part au combat. Le Goku SSJ 3 part, il va avoir son éveil quand Bardock va arriver, il sera très 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 bon. Il aura attaque et def plus 90%, sans restriction, non, début de tour. Et puis voilà, il aura combat décisif, hein, comme ce qu'il a là, un Super Saiyan Kamehameha, et il aura Fierce Battle, donc très très bien, combat acharné. Très bonne unité. On a ensuite le Gohan support qui est très très bon aussi, qui plus 2 attaque des plus 25%. Très très bien. Le Goten qui est correct d'ailleurs, showcase. Je sais plus si j'ai fait le showcase de ce Goten. Il y a pas mal de cartes que j'ai mis Spédis dont je dois faire le showcase, mais ouais, pas mal de choses à faire. Donc attaque plus 90% au début de tour, pas de restriction. Augmente l'attaque pendant 3 tours, on peut le stack 2 fois, très bien. De très bons liens, donc très bonne alternative. Pourquoi pas. On a ensuite le Végéto. Le Végéto du TB qui donne attaque plus 30% pour tous les alliés de type super, et s'il est un peu en position au moment où il attaque, il gagne une défense plus 100%. Bon, c'est pas ouf, mais en fait le mettre en position c'est un peu chiant. Et puis bon voilà, spé farmable avec le Végéto. Puis le Wisagi, bon, qui peut servir de temps en temps pour se régène grâce à son aspect Senzu, et il a quand même vitesse époustouflante. On a ensuite ce Gohan Agilité, qui est très bon d'ailleurs, showcase par incoming, hein, showcase bientôt disponible. Attaque plus 80% si un jeu de kit au-dessus de 6, ce qui est tout le temps le cas. Des liens corrects dans la team, puisqu'on a vitesse époustouflante, ça va. Donc voilà, c'est une carte correcte, hein, un petit cogneur. On a quoi ensuite? Bon, ça c'est un super strike, on s'en fiche. Ce Goku est assez décevant, Goku SSJ2, la carte très belle, mais ki plus 3, voilà, pour tous les alliés, CPV à 99% au moins. Pas de part au combat, c'est un peu décevant. On a le Goku Kaioken, qui est bon en termes de ki, mais spé non farmable. Augmente fortement attaque et fiche des dégâts colossaux. Boost en points fixes. 7000, c'est très très faible, les gars. C'est très très faible. Les liens, c'est pas mal. Vitesse époustouflante et combat décisif. Mais voilà, spé non farmable. Le Yamcha, c'est pour le lol. Le Goku, du tout début, une fois qu'il est éveillé, pas mal. Attaque plus 20% et ki plus 2 pour tout le monde. Si PV à 50% au moins, il a part au combat. Super Saiyan, donc de très bons liens. Donc il est correct. Franchement, pas grand chose à dire. En termes d'SSR, qu'est-ce que j'ai bon, le Gohan qui réduit grandement la def, bon, c'est pour la collection. Lui, il réduit grandement l'attaque, je crois, je sais plus.
Ouais, divise fortement l'attaque. Le Kame Sennin, pareil, qui se Dokkan à partir d'un SR. Bon, c'est juste pour la collection, les gars. Pareil, là, c'est un super strike. Caulifla, des doublons, voilà. Jubai, je garde. Pourquoi je garde le doublon? Parce que j'adore la carte, elle est magnifique. Hein. Voilà, c'est une des plus belles cartes du jeu. Les super végétaux qui me trollent parce que j'ai pas droppé l'endurance, donc voilà. Ah, le Goku Enginama, il me reste quelques exemplaires que je pourrais donner à bouffer à... Bah, je sais pas, au Goku Neo LR Tech, qui à la base est un Goku forme normale. Si j'ai la chance de l'avoir. Le Goku GT, pas dégueu. Une fois éveillé, il a attaque plus 80%, je crois, ou 70. Non, 70. Pas dégueu, mais spé non farmable. Enfin, semi-farmable. Ah non, même pas, non, même pas. Ah si, ça se paye ferme, mais c'est extrêmement long avec le Goku Tech, SSJ Tech. Mais c'est très très long. Lui, c'est pour la collection, voilà, la carte est magnifique. Les Goku Blue, bah voilà, j'ai quelques doublons en plus, hein, on lui donnera à bouffer un éventuel futur Goku Blue. Le puissant, si jamais je le drop un jour, je ne l'ai pas. Ce Vegeta agit, une fois éveillé, il a attaque et def plus 90%, je crois. Mais j'ai un doute, mais si les PV sont en tout de 80%, donc c'est un peu chiant. Le Goku Kaioken, on l'a vu tout à l'heure, je le garde pour le Goku Kaioken Tech des 3 ans, si je le drop. Et lui, en fait, il a un potentiel assez intéressant parce que il debuff l'attaque et il donne Ki plus 3 si les PV sont à 80% au moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, il n'a pas encore de Rebirth. Et regardez ses liens, en fait, par rapport à Vegeta SSJ4, Fierté Saiyan et Rugissement Saiyan, donc ça fait 40%. Donc imaginez qu'il a un éveil qui donne Ki plus 3, attaque et def plus 20%, plus les liens à côté de Vegeta, ce sera une tuerie. Donc il peut être intéressant quand même si jamais il obtient un éveil. Pour l'instant, c'est pas ouf. Alors au niveau des SR, qu'est-ce que j'ai gardé? Pas grand-chose. Ce Goten, c'est le LOL, c'est en bonus de code des 510 jours. Donc en fait, regardez, ils nous l'ont donné niveau 51. Voilà, c'est un petit clin d'œil, même si on s'en fout, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Le Bardock, c'est pour la collection. Le Trunks, bah, c'est pour monter un éventuel Trunks. Le Tech, je l'ai pas encore. Le Hoop, c'est pour la collection. Bardock, bah pour monter un futur Bardock, bah pour le Bardock SSJ3, pourquoi pas. Le Trunks, c'est pour la collection, et ce Goku, pareil, parce que je les ai mis spédis il y a longtemps. Donc voilà les amis, on a fait le tour oula, sur cette team super agilité, sur ma box super agilité, donc on va passer à l'extrême agilité, évidemment. Donc c'est parti, donc voilà ma team avec El Famoso C17 agilité que j'ai droppé récemment. Vous le savez, j'ai fait un... Enfin, vous le savez, plein de vous le savent. J'ai fait un live et j'étais pas prêt. Voilà, je l'ai droppé. Enfin, j'ai droppé en off hein, avant de dormir. J'étais pas prêt. Voilà, j'étais pas prêt. Donc, voilà pour ce... Donc, pour cette team, donc Super C17 en leader, évidemment. Qui est un Néo-God tier qui est quand même sous-estimé, quand même, globalement, parce que... Le problème, c'est que... En fait, les SSJ4, souvent, les gens ont des doublons, voire les ont à 100%. Et quand on joue ce Super C17, pour le peu qu'on le voit, souvent, il a pas de doublons. Et du coup, dans notre tête, on dit, mais il est nul. Sauf que, en fait, oui et non, parce que certes, il est un peu moins bon. Par exemple, qu'un Vegeta SSJ4 qui a de base attaque et def plus 120%. Mais par contre, ce Super C7 à 100%, ou même avec deux doublons, je pense qu'il est quand même très, 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 très bon, très tanky. Donc à ne pas trop sous-estimer non plus. Même s'il est clairement un peu plus délicat à jouer. Voilà, on ne fait pas assez de dégâts, pas assez rapidement. Donc c'est un peu dommage. Dégâts immenses, forcément. Diminue fortement la def, on s'en fout un peu. Donc, réduction des dégâts encaissés de 40%. Donc, ça, c'est bien. Mais quand tu as pas de doublon, tu prends quand même cher. Par contre, avec des doublons, je pense qu'ils tankent vraiment extrêmement bien. Attaque plus 30% lorsqu'une attaque est encaissée jusqu'à 120%. Quand tu te dis que tu as un Vegeta qui a 120% de base, tu te dis, mais pourquoi lui, il a une sélection comme ça? Ou alors, il aurait fallu ne pas mettre de limite à ce moment-là. Bref, vous avez compris. Les liens. Gros défaut aussi, il a pas lien boss. Ça, c'est vraiment un très 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 gros défaut dans les teams de méchants. Parce que le lien boss, c'est le meilleur lien de jeu. Hein. Clairement, attaquer def plus 25%, c'est n'importe quoi. C'est un gros, très gros défaut. Après, le reste, c'est bien. Hein. Peur et désespoir, cauchemar, GT, vitesse époustouflante et combat acharné. Mais le lien boss, c'est un très gros défaut. Ensuite, on a le LR à 100% qui fonctionne très très bien dans cette team. Dégâts gigantesques, qui debuff attaque et def sur sa spé ultime. Attaque plus 15 000 lors d'une spé. Bon, c'est pas ouf, mais à 100%, je vous assure que ça fait le café. Au niveau des liens, ça fonctionne très bien avec Super C17 et ça fonctionne extrêmement bien avec le C17 AJ. Je crois qu'il y a 6 liens en commun. Donc c'est un truc de ouf. Donc quand lui il est à côté du C17 AJ, spé ultime garantie, hein, il n'y a aucun problème. Parce que il y a énergie infinie qui proc, qui plus 2. Il y a jumeaux, je crois que ça proc, innocent peut-être, peur et désespoir. On va voir direct. Donc énergie infinie, il est là. Jumeau, voilà, qui plus 4. Peur et désespoir, qui plus 6.
plus les autres liens de boost d'attaque. Enfin, c'est un délire. Donc, très très bon. Rosé, El Seigneur, Rosé 100%. À pas sous-estimer, hein, même si le puissance va arriver. Il est quand même très bon. Dans votre futur Team Potala, si jamais vous ne dropez pas le puissance et que vous avez l'agilité, les gars, vous pouvez le jouer. Il est très bon. Je l'ai sur la Jap avec un doublon que j'ai mis en haut à gauche. Par erreur, parce que c'était il y a très longtemps. Sa valeur attaque monte à 1,5 million assez facilement. Alors qu'il a un doublon en haut à gauche, les gars. Donc, il est très très bon. Il est très bon et il restera très bon. Donc, évidemment, dégagement, ça attaque plus 100%. Il donne ki plus 3 pour le type extrême. C'est très très bon. Les liens sont très très bons. Parfait. Peur et désespoir, c'est cool. Par au combat, bon. Dans cette team, ça sert pas vraiment. Mais dans d'autres teams, ça sert. Le lien boss, voilà. Combat charné, c'est très bien. Le C17 agit, je vous l'ai montré. Donc, dégâts colossaux. Ki plus 2, attaque à plus 25%. D'excellents liens dans cette team. Le Omega, qui est un SR de base, qui est très très bon. Dégâts colossaux, il donne ki plus 2, attaque plus 25%. Les liens sont oufissimes. Peur et désespoir, boss, vitesse époustouflante, GT, combat acharné, tout ça, ça proc. Très très bon. Franchement, rien à dire. Golden Freezer agit. Bon là, je vais vous montrer d'autres alternatives. Je le ramène principalement parce qu'il réduit les dégâts de 90%. Donc c'est un tank de ouf, le meilleur tank du jeu. Mais restriction, dégâts 50% ou plus. Donc c'est assez gênant. Et puis les liens, c'est pourri, hein, clairement. Enfin, c'est pourri, ça proc pas du tout. Combat acharné quand même, hein, c'est déjà ça, mais bon. Après, s'il part pas en spé, c'est pas grave. De toute façon, il fait 0 dégâts. Même Speedy, s'il tape à 200 000, même pas. Mais c'est gênant pour les autres, en fait. Alors, concernant la suite de la box extrême agilité. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà, hein. Vous voyez déjà que le jeu... Bon, j'ai pas toutes les cartes du jeu, mais en extrême magie, il n'y a pas grand-chose de plus. Hein. Il y a le Koulaf qui tout plaît. Alors, évidemment, il y a le Neo Support Metal Rildo que je n'ai pas. Majin Vegeta LR que je n'ai pas. Mais il n'y a pas 36 000 autres choix non plus. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans ces cartes qu'on a ici? Bon, le sel exclu à la globale, il est pas dégueu. Il a des bons liens quand même à regarder. Hein. Vitesse époustouflante, donc dans cette team c'est cool. Cauchemar, boss, c'est pas mal. Imaginez, il a un éveil. Bon, je pense pas qu'il aura d'éveil, hein, je vous le dis de suite. Mais il serait, avec combat charné, il serait très bon. Et c'est un nuker, 15% de base, sans couleur. Imaginez, il passe à 17, 18, voire 20%. Il serait très très bon, mais je pense pas qu'il aura d'éveil. Spé non farmable, malheureusement. Le Freezer free to play dans cette team, ça marche pas parce que les liens ne fonctionnent pas du tout. Mais dans la team, mon essence du guerrier, d'ailleurs, il faudra que je fasse un showcase. Il est surprenant. Franchement, il est vraiment pas mal. Même à 100%, il vaudrait peut-être le coup dans la team en essence du guerrier. Le Babi, qui est correct. TUR free to play, dégâts colossaux, mais boost en point fixe, les liens, c'est pas ça. Il n'y a rien qui proc. Enfin, si, il y a GT qui proc, mais vous avez compris, c'est un peu chaud. En termes de ki. Sauzer, totalement viable. Hein, ki plus 2, attaque à plus 20%. Vitesse époustouflante. Voilà, très bien. C'est un SR de base. Kula qui peut aussi faire l'affaire. Attaque et def plus 30% pour le type AJ. Il a quand même le lien boss et cauchemar. Donc c'est pas mal. Même si en termes de ki, c'est un peu la PLS. Mais voilà, attaque et def plus 30%, c'est ouf. S'il a un éveil, c'est un SR du tournoi. S'il a un éveil qui donne ne serait-ce que ki plus 2, attaque et def plus 35%, mettons, ce sera ouf. Le bout, il est complètement dépassé. Hein, voilà. Dégâts colossaux, il rend 12% des PV. Bon, c'est pas mal, mais les liens derrière, il n'y a rien qui proc. La C18 agit qui n'a pas d'éveil, mais c'est un changeur de ki. Ça peut toujours aider. Il y a des liens qui vont proc. Bah, peur et désespoir, ça proc quasiment avec tout le monde. Donc c'est bien. Après, avec le C17, enfin C17 et du TLR, ça proc évidemment avec le C17 aussi, mais voilà, c'est un changeur de ki, donc pourquoi pas. Donc voilà, en termes nécessaires, qu'est-ce que j'ai de côté? Ah oui, Janemba, qui est très très bon, il faudra que je le réveille, c'est un chargeur de ki. Pareil, obtenu à partir d'un SR, des liens de ouf. Regardez, boss, vitesse époustouflante, transformation, cruel, cauchemar, ça c'est 10%, 10%. Peur et désespoir, combat acharné, il est ouf. Donc très bonne alternative en termes de support. Zangia est pas dégueu, dégâts énormes, elle débuffe l'attaque et récupère 10% des PV au début de tour. Et à la vitesse époustouflante, donc voilà, ça peut servir. Bon, Devilman, on passe. Voilà. Chance de faire des dégâts monstrueux. Bon, le sel, il est free to play. Vegeta, super sac, on s'en fiche un peu. Des doublons de rosé, oui, bon, ok. Talesu, pas d'éveil, qui est pas dégueu. Hein. Dégâts colossaux, peut stun et attaque plus 70% si le ki a 9 ou plus. Part au combat. Donc, avec rosé, boss. Ça peut être sympa, mais il faudrait qu'il ait un éveil. Donc, voilà, après, SP non farm même, malheureusement. Bojack, une fois éveillé, pas dégueu. Attaque plus 90% de mémoire. Mais voilà, il est un peu tout seul. Alors évidemment, ce Bojack à côté du Bojack LR, c'est une dinguerie dans la team Renaissance du Guerrier. Mais à part, c'est pas ouf.
Le Kulak, ouais, voilà, c'est celui-là que je vous ai montré tout à l'heure, donc des doublons. Bon, le Vegeta Osaru qui a un éveil, mais il est complètement anecdotique. Et en termes de SR, qu'est-ce que j'ai gardé? Alors évidemment, Jean-Michel Crapaud qui bloque l'aspect. Vitesse époustouflante et GT, hein, c'est pas mal. Hein. Ninja Murasaki qui a aussi un blocage de spé. Les différents Frost qui auront peut-être un éveil, qui sait. Janemba que je suis en train de monter pour mettre spé 10 l'autre. D'ailleurs, il m'en manque que 2. Dabla, on s'en fout, je l'ai gardé parce que je l'ai mis spé 10, je crois, voilà. Les C18 et les C17, c'est pour monter l'aspect. Et le sel, je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Bah, parce qu'il est spé 10. Voilà. Voilà, les amis. Bah, on a fait le tour, hein, si je ne m'abuse. Donc voilà pour ma box agilité, donc extrême agi, super agi. Donc voilà pour mes deux teams. Bon, clairement, là, Golden, j'avoue que bon, je pense que je vais plus privilégier un support, honnêtement. Genre le petit Sauzer, hein, quand même, qui fait le café, mine de rien, pour un SR. Bon, bah, team extrême agi, clairement, elle est pas ouf. Il me manque Majin éventuellement, et puis le Neo support. Sinon, ça va, c'est pas dégueu, mais bon. Pas de doublon sur Super C17. D'ailleurs, la Death Violette, je pense que je prendrai un doublon Super C17, oui. Et oui. Et puis côté super, par contre, là, c'est violent, hein, c'est ultra violent. Donc voilà, les amis, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi vous ce que vous avez. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis n'oubliez pas le pouce bleu, hein, pour le soutien. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour le type suivant. Donc je sais pas si je vais vous proposer mes vidéos box chaque jour. Je vais peut-être intercaler avec d'autres sujets, mais je vais faire ça assez rapidement parce que sinon après ça n'a pas de sens, hein, si j'attends 3 mois pour vous montrer tous les types. Donc voilà, bah tiens, dites-moi en commentaire quel type vous voulez que je vous montre pour la prochaine vidéo. Et puis je regarderai les commentaires et puis je verrai ce qui a le plus été dit. Et je ferai ça, de toute façon je ferai tout à terme, hein, mais voilà. Dites-moi en commentaire le type que vous voulez pour la prochaine fois. Sur ce, les amis, passez une bonne journée, à très bientôt. Salut à tous!